Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette longue série de Pokémon. La dernière fois on avait fait la route victoire et on s'était fait défoncer par le rival. Du coup go notre revanche. Parce que voilà. Super, forcément il revient. Avant d'aller, oui. Cette fois-ci mes Pokémon sont soignés, donc c'est bon. Normalement, plus de problème à voir, enfin, je l'espère. Bon, déjà, on va augmenter notre vitesse. Ok, parfait, ça fait des dégâts. Vous avez vu? Oui, c'est sûr. Non, attends. Je tente quand même. Je tente quand même. Non, putain. S'il te plaît, s'il te plaît. Tac. S'il me refait Ventardis, il est trop con. Ok. Je lui KO. Parfait. Cogne. Vu qu'il m'a boosté mon attaque x2, c'est parfait. C'est amiral. Je vais faire cogne aussi. Normalement, je suis plus rapide. On est d'accord. Critique. Dans l'état, normalement, c'est pas KO. Ok, cogne. Ça met KO. Il m'a mis un nombre de fois donc c'était bon. Il m'aurait pas fait Ventardis. Il fait le temps. Ok, vengeance. Je me suis vengé de ce que tu m'as fait. Espèce de méchant pavot. Bah il est con normalement. Ouais. Parfait. Donc level 73. Même pas. Oh non, j'ai pas rien contre toi. Oh non. Tu as une tache de Srelsmol sur ta cravate LED. Sora, grâce à toi, j'ai pu atteindre mon objectif. T'aurais dû voir la tête de ma frangine. Elle était folle de joie. Tiens, c'est cadeau pour te remercier. Tonnerre. Oh oui, tonnerre. Non, il peut pas la prendre, je pense. Je savais que t'étais quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, tu dois devenir maître. Je veux pouvoir crâner en disant que je vous connais, toi et ton équipe, ok? Alors, tu dois pas te louper. Salut. Salut. Qui c'est qui peut apprendre tonnerre? Bon bah je peux bien aller me faire foutre. Hein. Je peux bien aller me faire foutre. Oui. La Ligue de Unis. Ligue Pokémon. En plein hiver. Vu le temps qu'il fait, on est en plein hiver, c'est sûr. On va d'abord lui parler. Avec Pokémon est un endroit où une seule règle compte, celle du plus fort. Il faut vaincre le conseil 4 et le maître tout simplement. Fais mort dans la poussière au conseil 4 commençant par le membre de ton choix pour pouvoir ensuite défier le maître. Mais attention, une fois que tu as grimpé ces marches, impossible de faire la marche arrière. Tu dois gagner ou perdre pour pouvoir quitter ces lieux. Souhaites-tu entrer? Alors en avant. Il m'aurait fait rentrer, j'aurais pas l'air con. Par contre, vu qu'il reste plus grand chose, je vais... Est-ce qu'il me reste des super bonbons? J'en ai plus selon moi. Super bonbons, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Hein. Non. Faudrait au moins monter de niveau et puis après, on va faire la ligne.
Il doit avoir fermé tout, je pense. Hein. Attaque, si ça peut être pratique pour la ligue. Ok. On peut y arriver. J'ai un roi qui flamme le 73-74. Je peux le faire. Par contre, contre Gouya, je sais pas. Enfin, contre le champion de la ligue, ouais, je crois que c'est Gouya, je sais plus. Guérison, j'en ai 15. Des rappels, j'en ai combien? 9, ça devrait aller, je pense. Je crois que lui, c'est ténèbre. Non, c'est psy. Faut que je fasse à la fin, elle. Non, parce que elle, c'est... Donc, Ténèbres, c'est lui. Type combat, combat, j'ai rien. Enfin, si, j'ai Cryptero, mais... Je sais plus qui est qui, en fait. Non, elle, c'est psy. Du coup, c'était bien là. Parce que psy, je vais faire déglinguer. Donc c'était bien lui. C'était bien lui. Ouais, c'est bon, c'est lui. Ce qui va se jouer maintenant est simple. Nous allons décider lequel de nos deux brille le plus éclatant. Je suis Pyrrhus du Conseil 4. Et par conséquent, ton adversaire, en garde. Ok. Ok, Léopardus. Ténèbres, donc si je fais cogne, normalement c'est super efficace. Ténèbres, donc normalement si je fais cogne, c'est super efficace. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il apprenne autre chose que cogne. Ok. Je vais faire ébullition. Clairement ébullition. Oh dommage. Oh, pour gagner je dois deviner ce qui guide ses choix. Oh, il va faire son. Il va faire un son, j'en ai sûr. Ok, ça c'est fait. Scale 3. Ah oui, c'est toi. Pourquoi j'ai oublié ce point? Je suis bête. Aéropique. Ah, ça aéropique ce truc, ça, c'est bon. Ah, normalement, c'est le mec à haut. Ouais, c'est le mec à haut, ouais. Bon, moi, je suis plus rapide maintenant. C'est bon. Bagaille. Plus belle défaite reste une défaite. La plus belle des victoires reste une victoire. La plus belle des victoires des victoires. Mmh. Par contre, t'es beaucoup plus résistant, toi.
Il doit rester un moyen de gagner, même sans parier situation, tu peux être, il peut être autrement. Ok, parfait. Parfait. Pour chaque gagnant, il y a un perdant. Les dresseurs qui relâchent car ils ne s'attendent pas à perdre méritent le mépris. Lorsque le dresseur perd, les vrais dresseurs font ce qu'ils font pour gagner leur prochain combat. Mmh. Que l'on ait donné son maximum, que le destin est favorable ou pas, une défaite reste une défaite. C'est bien pour cela que les lauriers de la victoire sont si éclatants. En ce moment même, tu rayonnes de mille feux. Par contre, quand on a changé de type psy, je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce que je peux. Peut-être ténèbres. Spectre, pardon. Ok. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Hein. Ah oui, ça a bien changé. Il parcourait le monde, le dragon noir à ses côtés, en quête d'idéal. Ça t'a plu? Il s'agissait d'un extrait de mon dernier roman. J'utilise mes souvenirs de l'incident qui s'est produit il y a 2 ans. Mes traits de bavardage, cela ne concerne pas. Je suis Anis, la reine des Pokémon Spectre, ton adversaire. Spectre, il dit que combat, ça va rien faire. Bah non, c'est ténèbres, donc combat, oui. Allez, Anis. On va commencer par augmenter notre vitesse. Ok. Ah! Ah, il est psycho! Ok. Introduction est toujours inclus là, le sujet intérêt. Ok. Normalement, ça n'est pas KO. Merci. J'avais oublié. Non, faut que je sois parce que ça va pas le. Faut que je sois obligatoirement. T'as beaucoup de défense spéciale comparé à physique, j'ai l'impression. Piedi sol. Non, il a momie, donc du coup, il peut pas avoir d'habitation. Ok, donc c'est mieux de faire. Charge, ok. Donc là, c'est impossible que ces Pokémon me dépassent. Impossible. Les mastocs, mais il faut que je fasse soin. J'ai un Lucario, mais non, Lucario, bah non, madame, non, non. Allez, hypnose le stopper. T'as vraiment pas envie qu'on aille en fait. Hein. Merci. Euh.
Ok. Flagados. Flagados, Flagados, clairement Flagados. Tu résistes, tu résistes, tu résistes. Okay. Parfait. Ça c'est fait. Je préfère sacrifier. Je réfléchis. J'aurais dû faire des roulades. Une recharge. Je suis plus rapide? Ok. Ça fait pas les dégâts? Mais ils ont tous psycho ou des attaques pour me counter, c'est incroyable! Ok, sur les Pokémon, c'est quoi? Ah merde. Et là, c'est un Pokémon haut. Je rigole, mais imagine. Du coup, le Gulabre. Nous n'en sommes pas encore des éléments, c'est le dernier des rebondissements à proposer. Il a pas l'invitation, ok. Non! Trop déçu! Tu étais l'élu, non! Je suis trop déçu! Lucario. Il faut que ça termine, j'aime bien la fin, merde. T'as pas envie qu'on gagne en fait! Vous avez pas envie qu'on gagne tout ce temps que vous êtes! Non mais réellement. Ok. C'est pas grave. Ah bah enfin du monde de niveau. Waouh, bah dis donc. Ouais. Lorsque je suis immeux, je trouve pas les mots. En vérité, j'ai beau être écrivain, je n'arrive pas à exprimer correctement mais ce que je ressens maintenant. Excuse-moi la facilité ou mon compliment, tu es un excellent dresseur. Putain. Petit combat, clairement. Les Pokémon sont comme les tiens. Play et boss. Mais remercions-les ce beau cadeau. Ok. Allez, 6 guérisons. Ah non, peut-être pas. 5. Ça va être plus chaud que ce que je pensais. Si on le fait à la fin.
Bon, combat, 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 ouais. Quoi? D'accord. Traiteur, je m'appelle Kunz, premier apprenti du maître Goya. Malgré son départ, je continue à me... Hein? Je continue à me perfectionner dans l'art du combat. Tu es un frère d'armes, jeune dresseur. Toi qui vas avec les Pokémon à tes côtés. Il est temps de tester moi-même ce que tu vaux. Go! Kunz? Ok. Alors je vais commencer par augmenter ma vitesse. En plus j'ai une petite feu donc du coup c'est stabé. Ok. Non mais ton équipe et toi dégagez une grande force. Mais à chaque fois vous avez une attaque pour me... Non mais c'est incroyable. Si ça va être pire en plus. Ah bah non. Ça va, je suis assez content parce que putain ça fait pas autant que d'il y a que ça. Ok. Bon, je reste quand même plus rapide. Combat psy, je crois, non? C'est dommage. Faut que je garde sinon je perds tous mes boosts en vitesse. Ok. Il est sûr à 100% il va avoir une attaque seule. Séisme ou un truc comme ça ou tombe roche. Marteau point. Ok. J'ai pas pensé, tiens. Et si j'essayais buisson, tiens. Je vais essayer ébullition. Parfait, il attaque. Ok. Après, si je peux empoisonner, c'est bien. Le poisonner, n'importe quoi, avec ébullition. Le brûler, pardon. Empoisonner, n'importe quoi. Je pensais qu'il aurait une attaque sol, tiens c'est marrant. Ébullition. Carapu. Le dernier Pokémon, c'est mon de vérité. Ouais. Je te fais pas dire. Par contre j'espère qu'il va me faire augmenter le niveau parce que franchement ça me serait pratique. 75. La champion de Kipsy. Ouais, juste hein. Ok, encore un petit seul, ça met KO. Je vais rassembler mes dernières forces et tout miser sur ma prochaine attaque.
Ah, j'ai cru qu'il allait faire une attaque de priorité. Il me dit ça, j'étais en mode. Attends, quoi. Non, c'est bon. 75, parfait, merci. Je regarde sur ses attaques des. En vrai, l'attaque spéciale, ça passe. Aucun Pokémon est plus fort, c'est pour ça difficile. Alors j'admire ceux qui admirent à fond l'aspiration idéale et la puissance des nobles. Je sens cette aspiration en toi, c'est pourquoi tu es tout mon respect. Je n'attendais pas moins de toi. Continue, les yeux rivés sur ton objectif pour vaincre les autres membres du Conseil 4. Je sais pas pourquoi, mais les guérisons, j'en ai pas eu assez au final. J'en ai pas appris assez au final. J'ai très peur. Il me reste une. Par contre, elle, je vais en chier. Je vais clairement en chier. Il appuie son lit. Ah oui, d'accord, ok. Me voici, moderne Flore, aurore aux doigts de rose, fraîchement éclos. Ah, te voilà, dresseur alliant force et bonté. Moi, Persila, je ne demande qu'une chose. Un duel nécessitant la force ultime. J'espère que tu ne me décevras pas. Le problème, c'est que j'ai plus de Pokémon de combat. Bon, déjà, premier truc, faut que j'augmente ma vitesse. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas quel Pokémon elle va avoir après. Mushana, elle peut m'endormir. Sa prédiction ou un truc comme ça, donc ça ne peut pas avoir lévitation, je crois. Ok, donc micro-charge. Bon, déjà, je suis plus rapide. Il fait bâillement, ok. Voilà mon moment préféré, celui où les Pokémon abandonnent. Ok. Elle va attaquer, mais de toute façon, je vais être endormi. Et là, elle va faire. J'ai la totale soin. Guérison. Quoi? Pourquoi? Alors, j'avoue que là, j'ai pas compris. Je sais pas les dégâts que ça fait. Ah, ça fait beaucoup moins, mince. Bâillement. Ah, peut-être qu'elle pense que je vais switcher, donc du coup elle se fait un bâillement, je sais pas. C'était très étrange. C'est quoi déjà? Ah, c'est pas genre psy. Non, attends. Pourquoi j'ai pensé que ce truc il est poison? Psy. Non. Je vais essayer un truc avec Zoroark. Bingo. Okay. Je parle pas beaucoup, je suis désolé, mais c'est parce que vraiment je stresse et je réfléchis au strat en fait. Cidre est là.
Quelle désagréable surprise, je n'aurais pas dû pouvoir baisser. Ok. C'est psy ténèbre ça. Quoi tonnerre. Oh non. Oh non. Ah non, ça c'est bâtard par contre. Elle savait qu'elle aimait. Oh, elle savait qu'elle aimait parler. Précise, une ballon, s'il te plaît, une ballon. Ok. Est-ce que je pourrais l'avoir comme ça l'usure? Moins 2. Oh, 3 tours. Moins 3. Moins 4. Ah, c'est pareil. J'aurais pu vraiment 6 par si j'ai à moins 5, c'est jamais cool. Ok. Alors pour info, t'es à moins 5 en précision, donc tu pourrais rater un petit peu s'il te plaît. Quoi? Pour gagner, je ne crains de laisser le record à mes émotions. Ok, ton équipe et toi fait des preuves d'effort, d'élégance et des dents. Je suis heureuse d'avoir pu affronter ta adversaire, mais Pokémon et moi-même sortons grands. Bah moi j'en sors petit parce que j'ai plus de rien du tout. Ma parole, il semble que tu aies vaincu tout le conseil 4. Va donc voir la statue de la place pour rejoindre la chambre du maître. Il nous reste combien de rappels? 3 vont déjà flamme. Mouchiana, il pourrait être pratique. Zoroark. Il me reste 3 guérisons, j'aurais bien acheté plus. Faut que je garde une guérison et un rappel au cas où. Ah, j'ai plus de rappel, fais chier. Bon. De toute façon, il a des Pokémon. Je sais plus quel type de Pokémon il a.
Ah, je peux même pas ici. Bon, bah, super. Ça va, château, il va pas se casser la gueule cette fois-ci. Il va pas y avoir des lances qui vont sortir. Ok. C'est pas. Iris ? Bienvenue, dresseur. Bienvenue, dresseur. T'attendais. Mais c'est Iris, la championne ? Mais non. Nouvellement, non ? J'adore faire des combats sérieux contre de bons dresseurs. Bah oui, c'est vrai. Bon, dresseur qui aspire à la victoire le plus grand profond de son cœur. Équipe Pokémon qui a pu surmonter toutes les difficultés. Vous allez devoir nous affronter, moi et mes Pokémon. Nous allons gagner en force. Peut-être nous comprendre, sûrement. Numérote tes abattis, moi, Iris, maître du Nice. Je ferai tout pour te battre. Ah mais c'est elle, championne, maintenant. Oh, trop stylé. Ah mais santé, mais il classe. En temps, c'est Iris. Hein. Oh là 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 là, quelle classe, mais quelle classe. Ah, par contre, c'est moins classe, là. Oh merde. Oh shit. Ce truc, c'est un surf. Arrête. Je peux sentir la souffrance des Pokémon. Non, il a fait un coup critique, c'est dégueulasse, monsieur. Ouh! Let's go! Oh, Kaliki! Ah non, mais il a les attaques. Merde! Attends, Kaliki, assis, roche. Ok, ça passe. Oh, mais c'est le chat que j'ai! Oh la vache! Oh la chatte que j'ai! Tranchons d'eau! Pareil, c'est dragon. C'est Dragon Ténèbres, ça, non? Attends, c'est Dragon Ténèbres ou Dragon Pur? Je sais plus. Non, c'est Dragon Pur. Non mais pitié, pitié. Non mais non, non, pitié, résiste. Mais fais chier. Non. Bah forcément, ça va mettre KO. Non, t'aurais fait hypno, saloperie, punaise. Mais non, il est physique. Bon bah, j'ai perdu. J'ai plus de rappel, j'ai perdu. Je vais grimacer. Ah mais j'ai perdu. Je suis trop dégoûté, j'ai pas pressé de soin, c'est ma faute. 9000 quand même. Bon, bah c'est ma faute. Je vais acheter plus de soins et... Oh, je suis trop con.
Attends, attends, est-ce que je peux vendre des trucs? J'ai pas genre des pépites, un truc comme ça. Je crois que j'ai des pépites que j'ai pas vendues, un truc comme ça, non? Ah si. Ok. Acheter... Non. Je peux en acheter 70. Et des rappels, je peux en acheter 99. Réellement ? J'en ai acheté 42. Guérison, j'en ai acheté 20. Je pensais pas que j'avais autant d'argent. Bon allez, je retenterai au prochain épisode, je suis désolé. Oh mais j'étais trop hype, c'est... mais le combat il avait tellement bien commencé, je suis trop déçu. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, d'ici là portez-vous bien, et le plus important, des bisous.